Bon, Ozias, là, c'est le premier que je veux rentrer. Je vais l'envoyer comme chef d'équipe. Présentement, Ozias, il a la fonction membre. Il est juste membre. Il n'a pas encore acheté de fonction. On va regarder. J'ai modifié sa page des informations personnelles. Et cette page-là est modifiée. Je vais aller voir si j'ai ajusté son compte pour les paramètres de vente. Modifier paramètres de vente. Il est ajusté, c'est-à-dire les données sont rentrées dedans. Pour travailler, pour être dans une équipe, faut être un vendeur d'annonce classée. VANCL, vendeur annonce classée. Le tableau de bord du membre, il est fait comme ça, là. On ne voit pas d'équipe, on ne voit pas d'annonceur, puis on ne voit pas de aidant. Lui, ici, là, c'est Grandchamp. Lui, il a la fonction VANCL. Mais lui, je l'ai mis chef des annonces classées. Fait qu'il est chef. Lui, à son tableau de bord, il y a des équipes, il y a des aidants. Fait que dans son tableau de bord, il y a des équipes, des aidants. Même dans on va aller voir mes équipiers. Il y a déjà un équipier, Rock Grandchamp, dans son équipe. Il y a déjà un équipier dedans. Dans l'équipe de Grandchamp, le tableau de bord de Grandchamp, le membre 10-18. Ozias Léopoldine, lui, il est encore juste membre, le membre 10-40, là, il est juste membre. Il n'y a pas d'équipier, il n'y a pas d'aidant, il est juste membre. Oscillovote, lui ici, le numéro 10-42, lui ici, il est juste membre, il n'y a pas d'équipier, il n'y a pas d'aidant. Ozias, il est juste membre, là. Je vais aller le nommer chef, ça ne sera pas long. En réalité, il peut pas ajouter des annonces, ajouter une annonce ici, là. Il faut qu'il y ait des annonceurs dans son liste. Fait qu'il a pas encore d'annonceurs. Il est juste membre. Fait qu'il peut pas, il y a rien à date. Fait que je vais aller le nommer. Il faut avancer, mais je vais aller le nommer chef. Pour le nommer chef, d'abord, il faut qu'il soit déjà un vendeur d'annonce classée. Fait que là, j'ai complété ses paramètres de vente. Fait que là, je vais aller acheter la fonction de vendeur d'annonce classée. Je clique Mais possible. Mais possible. Je clique Mais possible. Fait que là, ben, j'achète la fonction de vendeur d'annonce classée. Acheter la fonction. Les instructions sont tout de suite. Prenez le temps de les lire. 59. Au début, là, vous ne payez pas le plein prix. Je vous ai payé 2,35 à peu près. Vous le payez en deux paiements. Un paiement, deux pièces et quelque chose, puis le restant dans un mois. Fait que je vais me connecter sur PayPal. Je me suis connecté. Ça, c'est un compte de démonstration qu'on a. Là, fait que à ce moment-là, ce n'est pas des vrais paiements qu'on fait, mais l'achat est fait pareil. C'est pour le temps qu'on est en train de configurer le site. Fait que là, je viens d'acheter dedans. J'avais oublié de vous montrer. Je vais vous montrer. Tantôt, il était membre. Il était membre, pareil comme le Ozias Léopoldine. Bon, lui, ici, il est fonction membre. Quand il est membre, ça réserve. Quand il s'est inscrit, en s'inscrivant, il a eu 100 crédits. Les crédits G avec un G, c'est gratuit. En s'inscrivant, il a eu 100 crédits gratuits. Ozias, qu'on vient de faire, Ozias, il est en haut, Ozias, là. On va le montrer dedans avec sa photo. Ozias, dans sa réserve, il vient d'acheter une fonction. En achetant une fonction, il obtient 300 crédits gratuits. Les crédits, il peut mettre trois annonces en ligne à partir de là. Fait que le membre, il y avait juste 100 membres quand il 100 crédits G, avec un G. Quand il s'inscrit, quand il achète une fonction, à ce moment-là, il y a 300 crédits gratuits. On va aller voir son tableau. Tantôt, c'était Ozias, c'était membre, parce qu'il est rendu VANCL, vendeur d'annonces classées. En étant vendeur d'annonces classées, son tableau de bord a changé. Là, il peut avoir des aidants. Il peut avoir des aidants. On va aller voir le profil du membre. Le profil du membre, ici, là. Lui, il est juste membre. Il n'y en a pas d'aidants ici dans le tableau de bord. Tandis que Ozias,
Il a des adeptes parce qu'il est rendu vendeur d'annonces classées. Là, moi, comme administrateur, je vais aller le nommer chef. Le tableau de bord va changer. Je vais aller le nommer chef. On voit mettre la liste des chefs. Je viens de le mettre à jour, autrement dit, le chef. Là. Je viens de le mettre à jour là-dedans. Fait que là, je suis dans la liste des administrateurs. Fait que là, le tableau de bord va changer ici. Regardez bien. Je viens de le nommer chef. Je vais actualiser la page. Et à ce moment-là, ici, ça ne changera pas, mais dans le tableau de bord, ça va changer. Il va avoir un équipier. Tain, là, ça, il y a un équipier qui vient se rajouter de plus. Parce que là, il est rendu chef, il peut avoir des équipiers. Fait que là, il est chef, il peut avoir des équipiers. On va regarder s'il y a des équipiers. À date, il n'y a pas d'équipier. Il n'y a pas d'équipier à l'été. Fait qu'il peut maintenant ajouter un équipier. À date, il n'y en a pas. Là. Dans la liste, mes équipiers, il n'y a pas d'équipier. Dans la liste aussi, aidant, il n'y a pas d'aidant encore, il n'y en a pas encore. Je viens de le nommer chef d'équipe, fait qu'on va nommer des équipiers. Fait que là, mettons, Osias Léopold Boldin, là, arrêtez, bon, Léopoldine, tu sais. Parce que j'ai fait une erreur de faute dedans, ok. Là, mes équipiers, il n'y en a pas. On va y rajouter un équipier. L'équipier, il faut qu'il soit vendeur d'annonces classées. Ici, Léopoldine est juste membre. Autrement dit, Osias Léopoldine, il est juste membre. Il n'est pas équipier. Il n'est pas vendeur d'annonces classées. Fait que là, si je mets, mettons, sur Léopoldine dedans, valider. Le système ne le prendra pas parce que la personne n'a pas la fonction vendeur d'annonce classée. Un équipier, il faut absolument qu'il ait la fonction vendeur d'annonce classée. V-A-N-C-L. Je ne peux pas y envoyer une invitation à cet utilisateur-là, ce membre-là. Fait que je vais continuer avec Léopoldine. On va le faire acheter une fonction. Fait qu'on va regarder dans son compte. S'il a complété ses informations personnelles, c'est fait. S'il a complété les paramètres de vente, ils ne sont pas faits. On va compléter ses paramètres de vente. OK, on va les compléter. Moi, j'en ai, vu que j'ai fait des choses dessus, fait qu'il prend dessus, il prend les données, les saisies automatiques. La vente automatique, si vous êtes libre, si vous mettez non, Il faut que vous soyez devant votre ordinateur pour confirmer lorsqu'il y a une vente. Si vous mettez oui quand un client veut faire un achat de votre banque, il va l'acheter directement. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous videz la main et vous avez de l'argent dedans. Fait que vous êtes libre de marquer non, mais si vous marquez non, le client va aller ailleurs. Fait que là, je vais valider ces informations dedans. Là, après ça, je vais aller acheter les fonctions parce que là, ça, il est capable d'acheter. Fait qu'on va acheter la fonction de vendeur d'annonce classée pour qu'il y ait la fonction vendeur d'annonce classée. On va revenir dedans. À date, Léopoldine, il est juste membre. Là. Je vais vous le montrer dans son tableau de bord. Léopoldine, il est juste membre, en réalité, dedans. Puis là, je vais aller acheter la fonction « Mais possible ». Aller acheter la fonction de vendeur d'annonce classée. Là, je n'achète pas la fonction « Bénévole » parce qu'en réalité, là, lui, il veut devenir un chef. On va payer, on va finaliser la vente. Fait que là, je finalise la vente avec PayPal. Le paiement va se faire. Puis là, tout de suite, son compte vient d'entrer. Il vient de tantôt, là, il y avait le membre n'avait pas les crédits. Fait que là, je viens de le nommer vendeur. Il a obtenu 300 crédits en achetant une fonction. C'est-à-dire, je viens d'acheter une fonction. Je ne vais pas le nommer. Il vient d'acheter la fonction. Il vient d'obtenir 300 crédits en achetant la fonction vendeur annonce classée. Fait que là, on va aller voir son profil encore, dedans, Léopold, dans le tableau de bord. Puis là, tantôt, c'était membre, puis là, ben, là c'est vendeur d'annonce classée. Fait que si vous regardez au début du vidéo, là, il était juste membre, là, il est rendu vendeur d'annonce classée. En étant vendeur d'annonce classée, son tableau vient de changer, il y a des aidants. Comme membre, tantôt, il n'y avait pas d'aidants. Là, il y en a des aidants dans sa liste. Mais il n'y a pas d'équipier parce qu'il n'y a pas le mot équipe dedans. Il n'est pas chef, lui. C'est juste, autrement dit, c'est un vendeur. Il n'est pas chef. Celui qu'on va nommer chef, c'est celui qui est juste Osias.
Ozias, puis l'autre, c'est Léopoldine, c'est sa femme. Fait que là, c'est Ozias, autrement dit. Ça, c'est juste le grand, ça, c'est Ozias, mon grand-père. C'est lui qui va être chef. Fait que là, je fais un petit clic dedans, là. Ça, c'est Ozias. Lui, il a des équipes. Il peut avoir des équipes dans son tableau de bord. On va aller dans... Ici, c'est Ozias avec Léopoldine. Lui, il n'y a pas d'équipe dedans. On va revenir dedans. T'sais, regarde, lui, là. Fait que lui, en été, il peut avoir des équipiers. Ozias avec sa femme, il n'y a pas d'équipe. Puis tout seul, il va avoir des équipiers. Fait que là, on va y rajouter un équipier. À date, on va regarder, il n'y en a pas d'équipier. On va y rajouter un équipier. On va rajouter l'équipier. Je vais l'écrire dedans. Léopoldine. Fait que là, il est écrit lui avec sa femme. Tantôt, il l'a pas pris. Là, il l'a pris. Là, invitation envoyée avec succès. Fait que Léopoldine, aussi hard, Léopoldine va avoir une invitation de. Ici, justement, là, dedans, on va regarder, là, je vais actualiser la page, puis regarder ici, l'invitation va rentrer. Là, c'est parce qu'en réalité, moi, j'ai 5 navigateurs, 6 navigateurs ouverts. Fait que là, je vais actualiser la page, ça va changer ici. Actualiser la page. Bien, il vient de recevoir l'invitation d'être inscrit dans une équipe. Fait que s'il y a un courriel, un message qui est envoyé. En ouvrant le message, il va lire le message, inscription à une équipe. Il va cliquer dedans. Je t'invite à t'inscrire dedans. Il va être dans l'équipe des services. En cliquant dedans, il va être embarqué dans l'équipe service. Il valide la demande. Le chiffre vient disparaître en haut. Fait que là, il est embarqué dans l'équipe. Il est rendu dans l'équipe Ozias Léopoldine. Est rendu dans l'équipe. Tantôt, lui, mes équipiers, il n'y avait pas. Là, il vient de l'avoir. Il vient d'avoir un équipier dedans. Fait qu'il est rendu dans l'équipe de Ozias. On va revenir. Ça, c'est le chef. Puis son équipier, c'est sa femme. C'est lui avec sa femme, autrement dit, qui est rendu dans l'équipe. Là, c'est le chef. Il pourrait transférer de l'argent. On pourrait lui transférer de l'argent dedans. En réalité, mettons un exemple. On pourrait lui transférer des crédits ou des crédits crédit G, mettons dedans, un exemple. Je peux pas. Le Ozias, il y a juste 100 crédits. Fait qu'il ne pourra pas y en transférer plus que ça. Là, je peux dire, mettons que je fais 150, un exemple. Là. Crédit G, je fais valider, le système ne prend pas parce qu'il n'a pas assez de crédit. Il n'a pas assez, le système reconnaît qu'il n'a pas assez. Mais moi, je ne suis pas là pour lui donner des crédits, je suis là pour lui en vendre. Fait que à ce moment-là, je fais juste, ça va arriver que le chef va y en transférer parce que pour des besoins. Fait que là, à ce moment-là, on va lui faire acheter des crédits. Il va venir l'acheter. On est dans le tableau de bord du chef, là. Ozias, on est dans le tableau de bord. On va aller voir sa réserve, qu'est-ce que c'est qu'il y a. Lui, il a 100 crédits quand il s'inscrit. Il a 300 crédits, 100 crédits G quand il s'inscrit. Il a 300 crédits quand il a acheté la fonction vendeur annonce classée. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Parce qu'il va aller recharger son portefeuille. Il va aller acheter des crédits. On va regarder. Il va sélectionner la sorte de monnaie. En sélectionnant, ça va l'envoyer à qui il achète des choses. Parce que le chef, il va acheter, autrement dit, il va acheter, mettons, des crédits du chef qui s'occupe des annonces classées. Il va acheter des crédits du chef qui s'occupe des services, tu sais, en réalité. Fait on va lui faire acheter des crédits dedans. Il va sélectionner le choix. Fait que là, il va acheter, mettons, des crédits. Le 01, là, ça, c'est pour notre numéro de monnaie. Fait que là, il va acheter des crédits. Son vendeur, il en a juste 300. Son vendeur, c'est Grandchamp, c'est Grandchamp. Il en a juste 300. Il ne peut pas en acheter pour 7,5 500, 565. Il n'en a pas assez. Fait qu'il ne peut pas en acheter de lui à partir de là. Parce que son vendeur, il vient de commencer aussi. Fait qu'à ce moment-là, il n'a pas assez de crédit. On va choisir une autre monnaie.
on va aller mettre les services, mais les services, c'est lui, il n'a pas encore acheté. Fait qu'on va valider, il veut l'acheter, il veut l'acheter, puis l'autre a zéro, il a zéro, il n'a pas commencé. Fait qu'il faut que là, que lui ait acheté, autrement dit, comme chef, il faut que lui-même, Ozias, achète des crédits. Mais là, moi, je viens de le nommer. Je viens juste de le nommer. Fait que là, arrêtez ma réserve. Lui, il a passé. Il veut en acheter, mettons, des services du supérieur, de l'administrateur. Puis l'administrateur, il vient de commencer. Il n'a pas encore acheté de crédit. Fait que l'administrateur va aller acheter des crédits. Puis je vais revenir dedans. Fait que là, je suis dans le compte de l'administrateur, justement. Là, je suis dans le compte de l'administrateur. De Marius, l'administrateur. On va regarder sa réserve. Il n'y a pas de monnaie service encore. Il n'y en a pas. Fait que lui-même, il faut qu'il aille l'acheter. Tu sais, à date, il a acheté les autres monnaies. Là, ici, là, on a envoyé des 3 millions, 12 millions. Fait que là, on va aller acheter des monnaies. Lui, il va essayer d'acheter des monnaies. Il n'est pas capable d'acheter à des monnaies service. Celui qui crée les monnaies, il ne les a pas encore faites. On débute. Fait que là, je vous montre le procédure. Fait que là, celui qui crée les monnaies, c'est le banquier. Il va être obligé de créer une monnaie service parce que cette fonction-là commence. Fait que là, le banquier va aller créer des monnaies. OK, là, je suis dans le compte du banquier. Il vient de créer les monnaies. On va aller voir sa réserve, la monnaie 12, il en a créé 2 345 345. Fait que là, il y en a des monnaies. Le banquier, il y a des monnaies. À ce moment-là, c'est l'admin qui va s'acheter du banquier. Là, on est dans le compte de l'admin. Il faut qu'il achète de Magnus. Là, tantôt, on a vu là, qu'il n'y avait pas de monnaie numéro 12. Autrement dit, la monnaie service, il n'a pas dedans. T'sais. Fait que lui, on m'a actualisé la page. J'ai juste actualisé la page. Tu sais, dedans, ça va changer. Fait que je change pas dessus. Il va rester rajouter une monnaie de plus. Regardez bien. Fait que là, la monnaie service vient de se rajouter. Elle n'y était pas tantôt. Fait que là, à ce moment-là, je suis capable d'en acheter. Le banquier en a créé 2 345 345. Fait que l'admin va s'en acheter lui-même. Va en acheter, un million, va en acheter. Bon, lui, il paye pas cher, tu sais. Il va en acheter 1 million. La transaction, c'est faite, payée. Fait que là, il en avait pas tout à l'heure dans sa réserve. On va aller voir sa réserve. Il vient d'acheter la monnaie numéro 12, le service, il vient d'acheter 1 million. Fait que lui, il est capable à se faire en vendre à Ozias. Fait que Ozias, tantôt, là, j'ai pas actualisé. Là. Il essayait d'en acheter, son vendeur en avait zéro. Il n'avait pas. Il en avait pas. Son vendeur, là, c'est Marius. C'est lui qui est admin. C'est lui. Marius, il en a 1 million, tu sais. En haut ici, c'est Marius qui est dedans. Fait que là, son vendeur ici, là, Marius, il n'en avait pas. Là. Marius, ici, il n'en avait pas. Je vais actualiser la page, puis il va en avoir 1 million. Il vient d'en avoir, tu sais, parce que qu'est-ce que c'est que l'autre a acheté? On vient de le voir dedans. Fait que là, lui, il peut en acheter, autrement dit, dedans. Il est capable d'en acheter. Là, je vous montre le processus, autrement dit, là, de la construction du site là, pour les premiers. Alors, ça en été, là, vous n'avez pas besoin de faire ça, là, c'est pas vous autres qui allez faire ça, là, c'est juste pour vous montrer le principe, comment que ça va marcher. Fait que là, je vais en acheter, là, je suis capable d'en acheter, puis dire, mettons, bon, on va en acheter pour 500$, on va en acheter 61 000. Selon le plus qu'il va en acheter, mettons, pour 5$, il y en a 500. C'est 100 crédits par pièce. Mais mettons pour 200$, il en a 20 000, mais en réalité, il y en a 23 000. Plus qu'il en achète, il en a plus, autrement dit, ça devient moins cher. Fait que là, j'en achète pour 500$. Fait qu'il va faire son achat de paiement, 500$, puis la transaction va se finaliser. Fait que là, la réserve
d'Ozias qui vient de l'acheter de son de l'admin, il va en avoir 61 000. Fait qu'il il vient de l'acheter 61 000. Fait qu'on est dans la réserve de Ozias. Fait que là, il a acheté la monnaie numéro 12, 61 000 20. On est dans le profil de Ozias. Fait que là, Ozias est capable d'en vendre à Ozias Léopoldine. Fait que Ozias Léopoldine, il avait essayé de l'acheter tantôt. Il ne pouvait pas l'acheter, on va aller voir sa réserve. Lui, il a juste 100 des crédits avec un G gratuit, puis des crédits pour les annonces lancées. Fait qu'il va aller recharger son portefeuille, parce que son chef, il en a, là, il est capable d'acheter. Fait que là, il va sélectionner les monnaies qu'il veut, il va le mettre à jour. Ah ouais, ok, bon, c'est ça que je voulais montrer, là. Je vais trop vite. Fait que là, il peut acheter juste les monnaies crédits. Ozias, on va recommencer. Tableau de bord, on est dans le tableau de bord de Ozias, Ozias Léopoldine. Fait que lui, il veut acheter des monnaies, autrement dit, de réserve. Fait que là, il veut acheter des monnaies de son chef. Son chef, c'est. Lui, c'est. On va juste recommencer. Lui, c'est Ozias et Léopoldine avec sa femme. Puis son chef, c'est Ozias tout seul. Fait que. C'est le bonhomme qui mène. Hein? Fait que là, à ce moment-là, il veut acheter des monnaies vers. On va venir là-dedans. De Ozias, puis de. Ozias Léopoldine. Il va essayer de mettre sa réserve. Il va essayer d'aller l'acheter. Il peut pas l'acheter. Il peut acheter juste des crédits pour les annonces lancées parce qu'il y a juste la fonction. On va revenir dans son profil. Il y a juste la fonction à date de vendeur l'annonce lancée. Fait que là, il faut qu'il ait, pour acheter des monnaies service, il faut qu'il achète la fonction de service. Fait que là, il va aller acheter, cliquer « Mais possible ». Il va aller acheter la fonction service. C'est pas dit que c'est seulement 12, là. Service, c'est quel numéro, je sais pas. On va aller voir, service, c'est titre. Ah non, service, numéro 16. Le numéro ne va pas nécessairement avec la chose, parce que quand que j'ai fait les monnaies, ça ne veut pas dire là-dedans. Là, c'est 57$. En l'achetant, ça ne veut pas dire qu'il va payer, il va payer au début 2$. Dans un mois, il va payer le restant. Il y a un mois pour le payer. Il est pas obligé, il peut le payer tout de suite, mais il n'est pas obligé de le payer tout de suite. En réalité, il pourrait l'acheter là, juste en temporaire, puis le payer le 30. Là, il prend le temps de lire les informations de tout le kit. Il va l'avoir dedans. Là. Il vient d'acheter la fonction service. Il va avoir la monnaie service. S'il n'y a pas la fonction, il n'y a pas la monnaie. Fait que je finalise dedans. On va aller voir sa réserve. OK. Fait que là, en achetant la fonction de service, il obtient tout de suite 300 monnaies service. Fait que ça dit qu'il peut mettre en ligne 300 annonces service. Fait qu'en achetant le service, il peut mettre des annonces. D'ailleurs, il y en avait juste deux. Fait que là, il va recharger son portefeuille, il est capable d'acheter de la monnaie service. Il est capable, il y en a, parce que s'il n'y a pas la fonction, il n'est pas capable. Fait que là, il va. Lui, en réalité, c'est le chef, autrement dit, là, c'est un chef. Fait qu'il paye. C'est un vendeur. Lui, c'est Ozias Léopoldine, c'est un vendeur d'annonces lancées. Fait que s'il en achète en l'été, lui, le vendeur, il paye de son chef. On va aller voir sa réserve. Recharge. Bon. Fait que lui, quand il achète de son chef, il paye 2$ pour 100 crédits. Autrement dit, c'est un vendeur. Le chef, il va avoir payé 1$, puis lui, il va payer 2$. Fait qu'il va en acheter pour. Bon, là, regarde, son chef, il en a. 61 000. Fait que, peut bien l'acheter pour, pour 200 piastres. Hein? 200 piastres pour faire 118 ventes.
Fait qu'il va en acheter 200 pièces d'un coup sec. C'est pas plus long que ça. Là, il va avoir le. Combien j'ai dit, le montant, le nombre, je ne sais plus. On va le voir. Fait que là, plus il en achète à la fois, il en obtient plus, ça lui revient moins cher. Fait que là, okay, il en a acheté 12 165. Il vient d'acheter 12 165. Fait que là, il est capable de mettre des annonces service. On va aller voir ses transferts. Il n'a pas envoyé de transfert dans notre barre. Ça, c'est les transferts émis. C'est émis. Il n'en a pas envoyé. On va aller voir s'il en a reçu. Il n'en a pas reçu par son chef. Il n'a pas reçu. On va aller voir ses transactions. Les achats de fonctions. Il a acheté deux fonctions. La fonction vendeur annonce classé et la fonction annonce service. Il y a deux fonctions. On va aller voir ses achats de monnaie. Il a acheté de la monnaie pour 200$. On voit ses achats de monnaie pour 200$. Tu sais, à l'été, on voit la transaction le 23 mai, aujourd'hui. Fait que lui, là, on est dans le compte de Ozias Léopoldine, de celui qui est vendeur là, de choses, tu sais. Parce que son chef, c'est Ozias. Fait que Ozias, avec sa femme, là, il est vendeur. Fait que là, lui, à l'été, c'est un vendeur. Il peut avoir des annonceurs. Il peut vendre à des clients, il peut avoir des annonceurs. Puis il peut avoir des personnes pour l'aider pour vendre à des annonces. Fait qu'à ce moment-là, on va regarder. À date, il n'y en a pas d'aidant. Il n'y en a pas d'aidant. Fait que là, je vais arrêter la vidéo. Là. Je vais laisser prendre un café. Puis à l'autre vidéo, on va faire. Il va ajouter des aidants, puis il va ajouter des annonceurs.